Donc y'a aucun problème. Putain mais y'a ce pas avec quoi, c'est trop chiant. Allez le petit E. Alors là, putain les patates qu'il a mis. Il vient de le détruire là, ou c'est moi? Yes, no, maybe. Jungler, ah bah. J'ai laissé mon compte, écoutez bien, j'ai laissé mon compte à un joueur bronze en E-West jouer sur mon compte diamant, sur un de mes comptes diamant en NA. Match historique, et je vais mettre comme ça. Ah ouais, merde. Ah, vous voyez pas, trop bien. Je vois pas non plus. Je vois pas s'il a gagné ou il a perdu. Je ne vois pas son score. Je suis comme ça, en fait, actuellement. Je ne vois rien. Et donc, on va aller regarder la game. Comment vous dire? Ah, il joue 7, ok. Il a pris le petit 7. Tout va bien. J'aime trop comment le Atrox, il dit tout de suite, les gars, 7, il a Ignite. Je sais pas, genre, ça fait vraiment le mec qui se fait repérer en 2-2. Oh, putain, ça va être trop drôle. Ça va être tellement drôle, bordel. Donc là, nous avons un joueur bronze. Ouais, sur 7. Et il est contre des diamants. Ok, alors comment il va gérer la transi level 2? Ça qui va me faire mourir de rire, je pense. Le fou. Ok. Ok, eh, 2 CS, 2 CS, 2 à 2, 4 CS. Alors normalement un bronze, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui regarde pas la carte, quelqu'un qui farm très mal et qui va être souvent perdu en teamfight, qui va faire un petit peu n'importe quoi. Mais en fait, je pense que ça va être une qualité. Il va peut-être pouvoir foutre la merde, donc ça peut être assez rigolo. Oh, il va avoir le canon. Ok, il a eu le canon. Donc là, il a une grosse wave sous sa tour. Il joue safe. Là, on a un joueur quand même assez intelligent en bronze. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est bronze. Il sait qu'il est moins fort que les autres. Il va pas faire n'importe quoi. Il va pas faire le foufou. Il va juste essayer de se faire carry, je pense. On va voir comment il joue, je sais pas. Mais il se débrouille pas trop mal en vrai, j'ai l'impression. Oula. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Ok, il esquive. Alors pour un bronze, je trouve qu'il joue. Oh putain, c'est bien joué ça. Il joue bien. Je pense que c'est un bronze 1 en vrai. Ok. Ah, là il va mourir là. Ah, il est mort. Eh oui, première mort. 12-16 de retard, 13. En plus, on a même pas de TP. Oh, la vague canon. Ça fait très mal. Ça fait très mal, sa mort, là. Mais en vrai, il se fait pas complètement démolir, hein. Il joue safe. Il a pas trop de CS de retard. Il a quoi? Il a 16 CS de retard. Comme la différence à la midlane, genre, il y a 14 CS de retard. Pareil pour la botlane, 16 de retard. Donc, il est pas si différent des autres, en fait. Le W qui a été bien utilisé ici. Ok, il a utilisé son R plus flash. C'est vraiment bien joué là. Vous savez, il le sait. Oh! Pourquoi avoir Ukela? Ah, dommage, t'aurais peut-être dû ignite l'autre. Ok. Oh, t'as pas eu l'assist du coup. Ah, dommage. Dommage. Insta-rack tout de suite. Oh, la décale. La décaille de notre ami bronze. Oh oh oh. Il a un ultime. Il le prend tout de suite. Ok, petit E sur le Vladimir. Attends, mais il met des patates. Oui, il a bien joué. Dommage. Comme ça push vers lui. Voilà, le Atrox qui push. C'est très bien pour le 7. Là par contre le 7, ouais, il aurait pas dû faire ça. Aïe aïe aïe, il faut pas mourir maintenant. Là ce serait catastrophique. Allez, W vite. Ok. Non, meurs pas maintenant. Oh là 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 là. Ah, c'était le pire move ça. Oh. Aïe 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 aïe. Oh, la Cassio le 16 step. Encore un E. Oh la ward. Oh la ward du Warwick. De notre ami 7 bronze. Il farme que dalle. Il a un petit peu plus de mal pour les distances. Oula, le Atrox qui l'engage. Atrox qui engage, ok, le W qui est bien utilisé ici. Ok. Il lui a mis des patates, hein. Il lui a mis des patates. Le petit flash out. Le Kha'Zix qui est pas loin. Est-ce qu'il va avoir... Il va tempo assez pour le Kha'Zix? On a un R peut-être? Ah, faut R là! R, t'as ignite! Ok, ton jungler était vraiment à côté, t'aurais dû ignite. Pour être sûr que ton jungler puisse le finir, parce que là c'est... Ça pourrait être limite quoi. Le Kha'Zix, c'est trop bien joué, ouais. Il a tout esquivé là. Allez, un petit 0-4 pour notre ami. En plus, en vrai, il est contre un Atrox qui peut hard carry, hein.
Il serait contre un tank qui est pas utile, je comprendrais. Oh, il se positionne bien en vrai là. Pour faire un petit R. Il aurait dû R du coup. Un peu dommage. Ah, on sent qu'il... Je pense qu'il jouerait très 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 différemment s'il était contre des bronzes. Là, je sens qu'il est un peu fébrile. Là, vous voyez qu'il hésite sur ses sorts. Là, R le Warwick ou R quelqu'un, voilà, pour se positionner. C'est bien parce qu'il a dégagé le Aatrox en fait de son équipe. En plus, il est même pas mort. C'était plutôt bien joué. Ok, il back. Il y a un Pike en plus en face, c'est horrible quoi. Le petit kill qui met assez bien. La Cassio qui va essayer d'aider, la Lulu qui va essayer de partir. C'est assez bon. La bonne flaque de... Oh là là, la Cassio qui fait un petit clutch là. Et elle... Oui, elle meurt. La flèche de hache qui est plutôt bien placée sur le Ezreal. Le Ezreal qui fait stun, le Ezreal qui se retourne sur la hache. Mais elle va se faire shield par la Lulu. La Cassio qui a bien tempo, la Cassio qui joue très très bien. Putain, elle me donne envie de jouer Cassio, c'est une connasse. Le Aatrox qui fait beaucoup beaucoup de dégâts. La Cassio qui est en train de hard carry la game là. Elle vient de prendre énormément de gold. 2700 gold en poche. La hache qui était présente sur les appuis au niveau de l'ultime. Et le set qui était en train de faire du petit shopping. On a absolument pas besoin de lui. Ça me fume. En termes de vision, il est à 7 comme tous les top laners du monde. Donc il y a aucun problème. Putain, mais il y a surtout pas avec quoi, c'est trop chiant. Allez, le petit E. Alors, là, putain, les patates qu'il a mis. Il vient de le détruire là, ou c'est moi? En 0-5 avec 0. Oh, les balls qu'il a eu. Jamais de ma vie j'aurais fait ça. Bon, après, le pack E, il était dégueulasse. Là, il aurait pu E comme ça pour toucher les deux, malheureusement. Il a un W super chargé où le Vladimir aurait pu W. Après, si Vladimir. Ouais, je sais pas. Il l'a soulevé. Oh! Et le Kha'Zix qui fait le W pour finir, c'était trop bien joué. Mais attends, mais il vient de carry le fight là. Ok, il continue jusqu'à la mort pour Oh le bâtard. Mais attends, il vient de carry la game là ou quoi? Bah le fight. Mec, il vient de mettre trop bien son équipe. Parce qu'il est resté sur le Ezreal. Et par chance, le Warwick est venu aussi sur eux. Du coup, ils ont pu finir les deux. Il y a eu un petit W raté, mais qui a été sa step surtout là. Mec, c'était trop bien. Je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit que les bronzes. Moi, ce que j'aime. C'est pour ça que j'aime bien jouer avec les bronzes. C'est que c'est des malades. C'est que c'est des mecs qui ont des balls de fou. Et vous allez voir que plus vous allez monter. Genre. Plat l'Odiam, c'est des gigapoussis. C'est des gigapoussis. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui se font duo Q abuseur et tout là. Qui se font carry. Oh là, ils prennent aucun risque. C'est dégueulasse. Et là, vous voyez les risques qu'il vient de prendre. Il vient de donner un baron, les mecs. Il était en 0-5. Je suis trop fier de lui. Il a toujours pas un objet, les mecs. Hein. On est à 22 minutes de jeu. Il a pas un objet. Cassio en a 3. Il me fume. Est-ce qu'il va avoir un kill, les mecs? La question, c'est est-ce qu'il va finir en 0-10 ou est-ce qu'il va avoir un kill dans la game? Il a combien de farm? 82? Ah ouais. Ah ouais, 82 CS à 25 minutes. Oh, comment il doit se faire insulte? Mais attends, mais ça farm trop mal dans la game. Ah, mais attends, mec, il y a 2 kills par minute aussi. C'est quoi cette merde là? Pourquoi pas? Ah, tu peux pas flash in sur un bike. C'est. Alors, tu peux pas flash in sur un pack dans le sens où il a trop de sorts pour s'échapper. Après, là, le Kha'Zix, il a pu en vrai. C'était ok son move, dans le sens où il avait déjà utilisé ses sorts. Pourquoi pas, c'était ok tiers. Surtout que le pack est vraiment dérangeant, il faut bannir pack. En vrai, la hache est pas trop mal pour défendre parce qu'elle a son runan. Attends, il va engager. Ok, le petit E sur les deux. Ah, dommage, on aurait dû E avant là. Je sais pas si c'était possible. Le Kha'Zix. Où est la Cassio? La Cassio est out du fight. La flèche de H qui... Voilà. Il saute peut-être. Le minion qui vient de le sauver. Le Kha'Zix qui tente des trucs. Ah, c'est compliqué. Le Kha'Zix qui, eux, il fait claquer pas mal de trucs. Oh, c'est compliqué. Hein. Il fait des dégâts. Attends, si on prend le kill ici, c'est super intéressant. Ok. Là, malheureusement... Ah, la vache. Deux océans sur du Warwick, Aatrox, Vladimir. Oh, Pike. Ezreal. Non. Lui dans les wards en 2-2, c'est terrible. Le 7 qui va faire... Vas-y, zone 7, voilà, très bien, zone.
Oh, on était pas loin. Oh, on était pas loin de la catastrophe. Le Kha'Zix qui est sous ultime de Lulu, du coup c'est pas mal. Il va pouvoir tempo un petit peu. Le set qui prend beaucoup de dégâts de je sais pas qui là. Ok. Oula, H, qu'est-ce que. H, oui. Tu es en frontline là. Ok. Oh, le set qui voulait R. Le set qui voulait R, malheureusement il a pull. Allez, R, R, R. Voilà, c'est pour tempo. Voilà, bien joué. Il a eu un kill. Il a eu le kill sur Vladimir. 1-8, c'est bon. Safe, il a sauvé l'honneur. Il a sauvé l'honneur de tous les bronzes. Il a réussi à tuer un diamant. Attends. Alors non seulement il va réussir à tuer le diamant, mais il va gagner la game en fait. Il a gagné là-dessus. Non, il gagne pas là-dessus, je pense. Attends, il gagne là-dessus. Attends, mais ils peuvent gagner là-dessus. 10 secondes. Attends, il gagne. Incroyable. Et du coup, combien de dégâts a-t-il fait? Oh, ah ouais, ils avaient 6k de retard à un moment donné. Dang. Presque autant de dégâts que la hache. Oh là là, mais c'est... c'est quoi ce graphique? Oh là 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 là, c'est de la chie. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Voilà, c'était le test du bronze EUS en diamant qui gagne. Bon, on va pas se mentir, il s'est fait un peu carry, mais il a eu son utilité dans certains teamfights et il a pas été non plus un poids lourd toute la game. Il a été utile sur certains fights et franchement, ça c'est super stylé. Je pense que la prochaine vidéo, c'est un diamant EUS qui va en diamant NA. Du coup, j'espère que vous êtes chaud, ça va être super intéressant. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner. A plus tout le monde, ciao.